vous qui nous rejoignez dans cette formidable aventure qui est les femmes d'Opale. La figure féminine du jour n'est autre que Marie-Claire, qui nous accueille dans son univers afin de la soumettre à la célèbre épreuve avec à la clé le dibome tant convoité des femmes d'Opale. Alors, nous sommes donc à la librairie du Chanel, qui est une librairie qui se trouve dans la scène nationale du Chanel, donc un lieu assez particulier. Je pense que c'est une belle étoile, moi, qui m'a conduite ici. J'ai trois enfants qui ont grandi, et puis c'était à l'occasion d'une remise en question de ma vie, et puis je cherchais du travail, enfin, je me demandais un petit peu ce que j'allais pouvoir faire. Je suis juriste de formation, et donc je regardais plutôt dans les métiers du droit. Quand une amie qui fréquente ici le lieu et qui venait à la librairie pour la brigade des lecteurs, qui est le cercle littéraire de la librairie, se présente à moi le soir en rentrant et puis me dit « je pense qu'il y a une des deux jeunes femmes qui est enceinte, donc peut-être qu'il y aura un poste à pourvoir ». Et donc voilà, je suis rentrée chez moi et puis j'ai fait mon petit CV, ma petite lettre de motivation, ce que je n'avais pas fait depuis une quinzaine d'années. Et puis je l'ai présenté ici de manière spontanée. Et puis après, voilà, de manière très conventionnelle, j'ai fait tout le parcours jusqu'à être embauchée ici en CDD. Donc d'abord en remplacement de Marie qui était enceinte, effectivement. Et puis après, heureux hasard, Laure qui a créé la librairie ici et qui est qui travaillait là, qui était responsable de la librairie, partait au Canada pour suivre son mari. Donc j'ai pris sa place, j'ai été embauchée après en CDI et je suis là depuis. Donc ça va faire 3 ans en fait. Des engagements ailleurs, donc qui sortent un petit peu de la librairie mais qui restent en lien, qui sont des engagements qui sont très cohérents avec ce que moi je me fais l'idée d'un tel lieu et l'idée d'y travailler. Donc ce sont des liens que j'essaie de nouer avec les médiathèques, avec toutes les autres entités culturelles en fait qui sont intéressées aussi par le monde du livre, tout simplement. Comme je disais tout à l'heure, c'est le choix qu'on propose. Donc on aime beaucoup travailler évidemment avec les grands éditeurs, ce qu'on appelle les grands éditeurs en taille, en volume, hein, oui. Et aussi les tout petits, donc qui ont parfois de très belles propositions. Donc il y a un choix qui est assez précis, qu'on ne trouve pas dans d'autres lieux, je pense. Et notamment, on a un rayon théâtre, qui est un rayon qui est assez important, un rayon théâtre classique et théâtre indépendant. Et enfin, c'est absolument pas commercial, hein, c'est parce qu'on tient à ce qu'il soit là. On a un rayon poésie aussi qu'on défend, qu'on valorise, donc j'aime énormément la poésie. Et c'est pareil, hein, voilà, y a des choses qui sont là, qui sont c'est pas du tout commercial, mais on le défend, on le représente. Et puis il y a quelques petites particularités, comme ici, par exemple, un rayon féminisme. On est des femmes qui travaillent ici. Donc que ce soit Marie ou moi, ou bientôt une Marion qui va arriver, Marie-Claire Marion, qui va arriver, donc parce que une très très bonne chose, c'est qu'on va embaucher. On embauche, donc quelqu'un commence le 1er août, troisième personne, troisième libraire, et donc voilà, des femmes qui travaillent, des femmes qui s'engagent, et un rayon des femmes qui est représenté, un rayon aussi assez engagé. Alors des anecdotes, on en a beaucoup parce que je pourrais presque dire que chaque personne qui rentre dans ce lieu raconte une petite histoire et une anecdote. Mais il y en a qui sont donc assez fréquentes et qui sont notre petite récompense. C'est la buée dans les yeux quand on a partagé une lecture et que la personne qui vient adorer le livre et puis vient nous le dire juste en passant comme ça la tête par la porte en disant c'était génial, c'était vraiment super bien avec énormément d'émotion. Donc, une reconnaissance. Ouais. Et puis c'est vraiment qu'il s'est passé quelque chose, qu'on a réussi à partager ce qu'on voulait partager. Donc ça c'est vraiment très très bien. Mais une petite anecdote peut-être pour montrer un peu l'esprit du lieu et raconter comment les gens peuvent s'y sentir bien. C'est
C'est par exemple Constance qui vient d'arriver là à la librairie, qui est stagiaire, qui est stagiaire, qui part faire un DUT dans les métiers du livre l'année prochaine et qui normalement était là vendredi, samedi et puis qui est encore là aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est une petite anecdote comme ça, toute fraîche. Et puis une autre, c'est une que j'aime beaucoup, c'est Vincent Delerme, donc qui était venu à la librairie. Il était là pour un spectacle un samedi, et puis son manager, je crois qu'il s'appelle Raphaël, si ma mémoire est bonne, son manager donc m'avait briefé avant, disant surtout donc un petit endroit à l'abri des courants d'air, faut que je vienne voir le lieu parce qu'il est fragile, faut pas qu'il ait sa voix qui voilà. Mm-hmm. Et donc il dit il faut installer une petite table, mais je vais venir voir d'abord, et puis surtout 30-40 minutes pas plus, parce qu'après il faut qu'il aille au calme, voilà, faut pas qu'il soit très bouffe, faut pas qu'il soit bousculé, donc très très protecteur. Donc il vient. On repère les lieux, donc le manager vient, pas Vincent Delerme, okay. On repère les lieux, ça lui va très bien, et arrive Vincent Delerme au moment de l'heure de la dédicace. Donc il est très habitué à avoir forcément foule, au moins plein de monde oui. avec eux quand il vient en dédicace, et puis là, tranquille, une librairie juste habitée normalement, mais pas la queue, et puis les gens qui le voient arriver, donc il fait quelques dédicaces, et puis après il se promène dans la librairie, donc il vient là au rayon jeunesse, et puis parce qu'il a deux enfants, il commence à regarder les livres, et puis très tranquillement, donc les gens disent tiens, Vincent Delerme dans la librairie, donc très content, ils lui font quelques signatures en plus, et il s'installe, il se met dans la banquette, d'ailleurs j'ai une photo, il se met dans la banquette et il commence à bouquiner, et puis il est resté 2h30. Donc voilà, donc je me disais, bah, finalement, il est bien là, il est bien là, et c'est que les gens s'y sentent bien, et j'ai trouvé que c'était pas mal. Et au point qu'après, il nous avait même demandé de jeter un œil sur ses enfants, s'il avait besoin de si l'un des deux avait besoin de quitter la salle, parce que c'est la première fois qu'il le voyait en spectacle, le petit. Et donc, il était possible que sa maman soit obligée de le sortir s'il lui parlait, tout simplement, parce qu'il le voyait en scène. Et donc, il avait demandé si on pouvait lui garder son plus grand, si c'était nécessaire. Donc, vraiment très, très sympa. Et puis, voilà, ça représente assez bien ce que... le fait qu'ici on peut vraiment s'installer tranquillement, que les gens sont très respectueux quand quelqu'un vient, quelqu'un de célèbre, hein, ça arrive quand même assez souvent, on le laisse en fait, on le laisse tranquille, on respecte son intimité, sa tranquillité, tout en étant très content de le voir et on est envie de partager. Donc voilà. Avant tout, les projets pour donc l'avenir, on travaille en saison ici, hein, c'est faire vivre les choses qui existent déjà. Donc on a ce qu'on appelait un café philo jusqu'à présent, mais qui est en réalité une soirée philo, qui est animée par Aurélie Mario, une professeure de philo à la retraite. Oui. Donc c'est pas un café philo parce que c'est pas un lieu où chacun dit des choses comme ça autour d'un thème. Aurélie construit, comme elle a pu construire des cours auparavant, mm-hmm. elle construit, elle développe un sujet, et donc elle lui crée une colonne vertébrale, et puis après... elle développe les choses autour du sujet et qui donne lieu à discussion et donc à un enrichissement de la part des gens qui sont là. Et puis après, chacun, en sortant de là, est libre de tirer sur ses ficelles et puis d'aller plus loin ou pas. Donc il y a cette soirée philo auquel je tiens beaucoup, parce que ce sont des lieux où on réfléchit à une autre manière de voir la vie. Et toujours dans le même engagement dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Après, chaque dernier jeudi du mois, on a ce qui s'appelle jusqu'à présent une brigade des lecteurs, qui est un cercle littéraire. Voilà. Donc, brigade des lecteurs, j'aime pas du tout cette appellation. Ouais. Et je voudrais prendre la chance d'ailleurs, voilà, j'appelle tout le monde à me faire des propositions pour changer ce titre, oui. Pour avoir quelque chose de plus, qui correspond plus à ce que l'on fait. Qui est en réalité un vrai lieu de convivialité, de partage, c'est un vrai cercle littéraire, sans aucune prétention. Voilà, c'est pas aller, c'est absolument pas, il faut pas être érudit pour venir. Mais il y a des gens qui viennent et qui ne font qu'écouter. Et donc, pareil, s'engager à maintenir ces lieux, ces moments de partage et d'échange autour d'un livre, là, donc d'une lecture. Ça, c'est très important pour moi aussi, et pour nous, pour Marie aussi. Et puis aussi, donc dans la même veine que ce qu'on a fait l'année dernière et l'année d'avant, ce sont les rencontres, donc les conférences avec différents conférenciers sur des thèmes qui nous sont chers, donc autant à la librairie qu'au Chanel, donc ce sont des partenariats qu'on a créés, et faire venir des gens
qui, pareil, qui apportent quelque chose, un autre regard à la vie, et puis qui font réfléchir. Changer un petit peu les points de vue, ça fait toujours du bien, et puis ça permet de, ouais, de se mettre un petit peu en cause, et puis de voir si c'est possible de faire mieux pour aller mieux. Oui, tout simplement. Ouais. Donc c'est toujours sans prétention. C'est toujours sans prétention, ce que je dis, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et puis quand on a peur, il suffit juste de venir voir, et puis si on a l'impression de ne pas avoir grand chose à dire, et ben on ne dit rien. Et puis on écoute, et puis c'est tout. Et si on veut parler, on parle. On ne dit rien. Non, rien du tout. C'est vraiment, voilà, on vient, on assiste à ça, et puis ça nous convient, on vient. Si on ne veut pas venir à chaque fois, on ne vient pas à chaque fois. Vraiment, l'idée, c'est vraiment comme le petit titre du Chanel, c'est entrer libre, entrer libre, entrer libre, et ressortir avec quelque chose, avec de l'énergie, quelque chose de, voilà, une petite nourriture qu'on aura apprécié. Merci beaucoup Marie-Claire, je suis très fière de vous compter parmi les femmes d'Opale et j'ai la grande fierté également de vous remettre ce diplôme. Oh, c'est super gentil, merci, c'est gentil comme tout. Félicitations. Merci, ça fait longtemps que je n'ai pas dit.